Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo pour les réglages GoPro en faible luminosité. On sait tous que la GoPro gère très mal la faible luminosité et on va aider dans les réglages. Il faut savoir que la stabilisation, les outils comme Ready Steady et tout ça, ça use de la luminosité. Vous avez aussi un problème avec les ISO. Si vous avez des ISO trop élevés, ça va faire un espèce de flou dégoûtant, là, un espèce de truc où on voit plus rien à la moindre vibration. Donc déjà, en faible luminosité, j'aurais tendance à vous dire, mieux vaut avoir un gimbal 3 axes. Vous savez, les gimbals comme les Hochem Pro, histoire de réduire déjà la vibration. Si vous arrivez à réduire la vibration en faible luminosité, c'est déjà pas mal. Vous pouvez mettre la stabilisation, mais le mieux c'est de mettre la première stabilisation. C'est pas de mettre la super stabilisation. Alors si vous êtes sur la 10, vous avez plusieurs modes de stabilisation, vous prenez la première. Ensuite, évitez aussi le maintien de l'horizon quand vous êtes en faible luminosité. Les ISO maximum, vous mettez 800. Vous avez vraiment la stabilisation, déjà évitez de quand en faible luminosité de faire des mouvements brusques et tout ça, ou alors d'avoir un gimbal qui est fait exprès et finalement de manière mécanique qui va supplanter un petit peu les effets de mouvement et les saccades. Ensuite, j'aurais tendance à dire, mieux vaut un éclairage. Par exemple, quand vous avez le Media Mode. Alors attention, le Hochem Gimbal n'est pas compatible avec le Media Mode, mais vous avez des gimbals 3 axes qui sont compatibles avec le Media Mode. Vous avez des petites lumières intégrées. Et en effet, mieux vaut parfois une source de luminosité externe, à savoir, vous avez un petit truc, et je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, qui se greffe sur le Media Mode, une petite lumière GoPro en LED. Ensuite, vous avez le nombre de FPS. Surtout, ne vous mettez pas en 60 FPS en faible luminosité, vous verrez absolument rien, surtout avec des ISO à 800. Vous mettez à 24 ou à 30 FPS, c'est bien le grand maximum en faible luminosité. De toute façon, vous allez voir, testez en faible luminosité, mettez-vous à 60 ou mettez-vous à 30 et vous allez voir la différence de qualité d'image, c'est absolument hallucinant. Si vous êtes sur un trépied et que la caméra GoPro ne bougera pas, c'est genre pour un vlog et tout, vous désactivez la stabilisation, voilà. Au niveau de la colorimétrie, vous avez la colorimétrie éclatante, la colorimétrie basique. J'aurais tendance à dire, prenez la colorimétrie basique dans un premier temps. Parce que si vous prenez la colorimétrie GoPro éclatante plus, là, leur dernière option, le problème, c'est que ça augmente les noirs. Et déjà, alors évidemment, ça va effacer un petit peu les ISO si vous aviez trop d'ISO, hein, si vous aviez trop de grains. Mais il y a beaucoup de détails qui vont être sucrés. Et mieux vaut faire un travail après. Vous mettez en colorimétrie basique et vous retouchez après avec Adobe Premiere ou votre logiciel d'édition la colorimétrie. Dans tous les cas, sachez que la GoPro est surtout faite pour des milieux en extérieur et non pas en faible luminosité. La GoPro a toujours très mal géré la faible luminosité et c'est toujours un peu comme ça. Il n'y a pas grand chose qui a changé, si vous voulez, ces derniers temps. En termes de résolution, la résolution, ça ne change rien, mais mieux vaut mettre la plus grande résolution. C'est-à-dire, si vous êtes sur une GoPro 10, une GoPro 11, vous vous mettez en 5,3K. Hein, ce qui est le maximum. Si vous avez le maximum, c'est 4K, vous mettez en 4K. Mais par contre, en effet, la résolution de la vidéo n'influe pas sur la qualité, enfin, n'influe pas vraiment sur la prise de luminosité. Mais en effet, pour retoucher, pour, si vous voulez, pour faire un trust job, ça sera plus facile de travailler avec de la 5K, de retoucher, d'agrandir, ou même, parce que même si vous étiez en 5,3K, le grain qui avait été pris, si vous vous remettez en 1080p ou ce que vous voulez, ça va rapetissir le grain, et voilà. Avec la GoPro, comme sur n'importe quel périphérique de prise de vidéo, le travail, si vous voulez vraiment vous économiser du boulot, tout se fait avant. Vous avez le matériel adéquat, vous avez choisi le bon lieu, le bon éclairage, mais ça se fait pas après. Gérer par exemple des ISO complètement, voilà, une dégradation de l'image due aux ISO trop élevés, ou une trop faible luminosité, ou par exemple la vibration de la GoPro, hein, le module avec des ISO qui étaient trop élevés, ça fait complètement flou, complètement saccadé, c'est pas bon, voilà. Allez, salut à tous et je vous souhaite une bonne journée. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.